fait bien beau aujourd'hui, c'est cool. Bonjour Bill. Bonjour Bill. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau! Bon, bah aujourd'hui c'est la première journée sans passe et sans masque. Personnellement, je vais garder mon masque, je vais faire comme d'habitude. Voilà, mais c'est cool. C'est cool. Putain, qu'est-ce qu'il fait beau, je suis trop contente. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui encore, mais je suis contente du temps. Qu'est-ce qu'il y a, mon Bill? T'es pressé de sortir? Oui, c'est ça? Promener? Oui, c'est ça que tu veux? Je comprends bien. Bah oui, mon amour. Va prendre un peu ton mal en patience. On va y aller. Bon, je viens juste de rentrer de course. J'ai été chez Aldi. Tout est trop cher de toute façon. J'ai pas les prix, la flemme. Désolée. Je sais pas si je vous les mettrai au montage, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai pris ça en congelé 4 cordons bleus. J'ai pris des pâtes fraîches, espèce de ravioli, champignons, mascarpone. Elles sont trop bonnes. J'ai pris des fraises. Je me suis pris un petit pain chocolat avec de la crème pâtissière dedans, c'est trop bon. J'ai pris une baguette parce qu'elle coûte que dalle, elle dit, j'aime trop le pain là-haut. Paquet de BN, ça valait trop le coup, c'était les 4 pour 2,95. Donc ouais, ça vaut le coup. Un fromage, j'ai pris ça, si vous avez jamais goûté, faut goûter absolument, c'est délicieux. J'ai pris des œufs, de la mayonnaise. Oui, je fais mon retour de course sur mon bureau. J'ai pris un pain de mie comme ça et j'ai pris des knacks. J'en ai eu pour presque 20 euros, 19, 18 je crois. Donc pour ce qu'il y a, c'est un peu cher. Bon, je viens de faire mon tout premier make-up artistique entre parenthèses. Voilà ce que ça donne pour les personnes qui ont pas Instagram parce que je viens de le poster. Mais je le trouve pas mal en vrai. Hein. Il est pas si moche pour un premier. Franchement, j'ai pas envie de l'enlever. Oh les hurlements! C'est encore un film d'horreur! J'ai pas envie de l'enlever tout de suite mon maquillage, mais je vais aller prendre un bain et je vais essayer de pas l'abîmer. Parce que j'ai envie d'en profiter un peu, je l'ai fait tard. Je suis vraiment fatiguée là d'un coup de barre. Bon, en même temps, il est tard, il va être presque minuit. Je vais aller enlever tout ça. Je suis dégoûtée. J'ai pas envie d'enlever. Mais bon, pas de choix. J'ai réussi à vous caler. J'ai galéré. Il est tombé au moins 4 fois mon téléphone. On va se démaquiller ensemble. Faites pas attention à ma coupe, c'est ignoble. Là, mes cheveux, je m'en fous. J'avais juste fait le maquillage. Oui, forcément, c'est plus prononcé, c'est pour les photos que ça ressorte mieux. Et encore, ça ressort pas tant que ça. Mais là, on croirait que j'ai une tache. Je vais déjà retirer mes lentilles. Bon, j'ai enlevé la moumoute, ce sera plus facile. Bon, du coup, je vais déjà enlever mes faux cils pour commencer. Quel plaisir. Ah, ça y est, mon ordi vient de s'éteindre. Le boucan, laisse tomber. Bon, je vais essayer de ne pas les perdre cette fois. Pour enlever le plus gros, j'ai utilisé le petit démaquillant biphasé de chez Sephora. Je n'ai jamais utilisé, je crois. Ou si, peut-être une fois l'ancien et ça me piquait. J'espère qu'il ne me piquera pas celui-là. Oh, ça va être galère d'enlever tout ça. Ça me fait chier l'enlever, purée. Je vais déjà enlever le plus gros, en plus il y a plein de paillettes. J'ai pas envie de me les foutre dans les yeux. Je suis désolée si je regarde pas droit. Mais là, je vois rien. On va voir si sur les yeux ça ne me pique pas. Ouais, je frotte comme une dingue. Je sais, c'est pas bon. Il démaquille bien. Hein. Mais pique moins, il me pique moins les yeux qu'avant, mais il me pique encore un peu les yeux. Je vais souffler comme un bœuf. Tout à l'heure, j'ai regardé les rushs. Quand je vous ai fait le retour de cours, j'ai dit, bon, je vais monter les escaliers. Hein. Je l'ai fait directement en arrivant. Waouh, comment je suis essoufflée. C'est abusé. Bah écoutez, il pique beaucoup moins que l'ancienne version. Moi perso, elle me brûlait les yeux, je pouvais même pas l'utiliser. Celle-là, ça va. C'est parce qu'à mon avis, j'en ai mis trop tout à l'heure. Mais là, ça va. Et franchement,
Ça démaquille bien. Je vais le faire une dernière fois pour mes lèvres. Après, le rouge à lèvres, c'était pas du costaud. Donc, c'est déjà parti quand j'ai mangé. Il ne me restait plus grand-chose. Avec les petits cotons comme ça, c'est la misère. Là, j'ai que ça sous la main. Mais sinon, je prends pas ça. Je prends des gros. J'achète en pharmacie. Des gros carrés, là. Au micellaire, j'utilise en ce moment la Corinne de Femme. Je l'aime bien. Ah! Oh non, déjà que j'en perds 3 tonnes de cheveux, je vais pas me les arracher toute seule. Et j'ai toujours pas pris mon bain. Donc je vais pas me laver le visage avec vous, mais j'utilise toujours mon savon de chez Lush. Ce qui est bien avec le savon, c'est que ça dure longtemps. Bon, je me suis levée il y a pas longtemps. Je ne sais pas quelle heure il est. Aujourd'hui, rangement encore. Et j'ai encore quelques petits trucs à vous montrer. Des trucs que j'avais acheté à Noz, dernière fois. Je vous les ai pas montrés. Il y a que 3 trucs. Hein. Et j'étais dans un magasin de déstockage. J'ai pris 2-3 trucs. Je vous les montrerai aussi. C'est encore tout brumeux. Bon, il me reste 24 minutes de film. J'en ai marre de filmer avec mon téléphone. Franchement, c'est la misère. Vous voyez pas, mais il y a un bordel sur mon bureau avec le maquillage que j'ai fait hier. Et je vais me remaquiller aujourd'hui, je pense. Je vais vous montrer ce que j'avais acheté à Noz, bon, rien de transcendant. J'ai trouvé ça de You Are Cosmetics, c'est pour ça que je me demande si la marque elle est pas terminée. Parce que j'avais regardé sur le site, il y avait déjà presque plus rien, il y a des prix vraiment ridicules, genre quelques centimes. Donc je pense que You Are Cosmetics c'est terminé. Bon, j'ai pas refait mes ongles parce que quand on fait du rangement, je vois pas l'intérêt. Donc c'est à 60 centimes. Et j'ai trouvé ça du sel de bain. Mais bon, c'est des trucs de Noël, mais c'est pas grave, je vais le garder pour Noël. Et ça, c'était 59 centimes. Et j'ai trouvé ça, ça sentait super bon. C'est un espèce de bain moussant, nettoyant, à l'iris de Toscane. J'aime trop la bouteille, je la trouve trop belle. Et ça sentait trop bon. Et du coup, ça, c'est 1,79€. Donc c'est tout pour Noz. J'ai trouvé un après-shampoing de la marque Schwarzkopf comme ça. Je l'avais jamais vu de ma vie celui-ci. Et il coûtait genre 82 centimes. Donc bon, il fait très printanier. Super bon plan, c'est ces petites caissettes en acrylique avec des petits tiroirs. Bon, c'est des petits, hein, mais 69 centimes. Enfin, normalement ça coûte hyper cher. Ça, je suis trop contente, j'en ai pris 2. J'aurais dû en prendre plus au final, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais 69 centimes. Et du coup, l'après-shampoing, ça venait d'un magasin de déstockage, je sais plus le nom. Bon, bah étant donné que je n'ai plus de place sur mon téléphone, il me reste 20 minutes, comme je disais tout à l'heure. Je vais clôturer le vlog ici, ça va être encore un petit vlog. Parce que je voudrais bien faire une vidéo pour demain. Et j'aurais pas la place. Donc ouais, c'est casse-couille. Il faut vraiment que je trouve une solution pour mon téléphone. Ça m'empêche de faire ce que je veux. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Même s'il était court. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.